Alain, propos d'un Normand. Je lisais, ces jours, un article sur le mensonge, dans lequel l'auteur montrait, non sans force, que le menteur est à la fois méprisable et maladroit. Cela a été expliqué souvent, mais la question n'est pas pour cela réglée, car, enfin, il peut y avoir, et il y a eu, des mensonges utiles et des mensonges héroïques. D'après cela, le disciple conclura que le mensonge n'est pas mauvais par lui-même, et qu'il vaut ce que valent ses conséquences, lesquelles, le plus souvent, exposent son auteur au mépris public, et à des malheurs grands ou petits. Cela fait que je me demandais, après avoir lu, que pourrait-on dire contre le mensonge lorsque ses conséquences sont bonnes pour le menteur et pour tout le monde. Le mieux est de dire que le mensonge est contraire à la santé. Une des fonctions naturelles du corps est de correspondre à la pensée par des mouvements. Les gestes d'un orateur le montrent bien. Et, au fond, qu'est-ce que le langage, sinon le commencement d'une action que l'on pense à faire? J'ai peur. Je m'enfuis. Langage. Je suis en colère. Je serre les poings. Langage. Je suis confiant et tout entier à des sentiments d'amitié. Je tends mes mains ouvertes. Langage. L'enfant a faim, et il fait oui de la tête afin de happer le morceau qu'on lui tend. Langage. Enfin, rassuré, après une alerte, je me détends et je pousse un soupir qui est déjà presque un mot. Langage. La parole n'est elle-même qu'un geste de la poitrine, de la langue et des lèvres. Chez un homme tout à fait naturel, on pourrait lire toutes les pensées dans les gestes du corps. Ainsi, dire la vérité est aussi naturel que respirer et digérer. Aussi, observez un menteur. Son mensonge est une lutte contre son corps. L'effort qu'il exerce contre ses muscles se voit à une attitude maladroite et à la rougeur du visage. Bien mieux, le mensonge est presque impossible. Presque toujours, pendant que la bouche dit non, le corps dit oui. C'est pourquoi personne n'aime à mentir. Seulement, il faut bien remarquer une chose, c'est que, toutes les fois que nous pensons mollement, et sans bien savoir, le mensonge devient alors très facile. En réalité, alors, pendant que je mens, je pense ce que je dis. Je le pense sans y tenir. Voilà pourquoi les mensonges sur des futilités sont à peine comptés comme des mensonges. Mais mentir sur ce que l'on sait bien, sur ce que l'on pense avec force et conviction, c'est cela qui est difficile, et même impossible. C'est pourquoi les religieux font un si grand usage des formules. Il est si pénible d'affirmer ce qu'on ne croit pas, qu'on finit par croire ce qu'on affirme. 28 novembre 1907.